Donc maintenant, la question se pose, comment est-ce que ben, ça ne serait pas une single page app si on n'a pas plusieurs pages virtuelles? Il nous faut cette notion de routeur, et puis ça se mélange bien avec ces composants. Parce que finalement, ce qu'on va faire, c'est dans notre page, on va avoir un endroit, on a la page principale, et un endroit à dire, cet endroit-là, remplace-le par un composant, et puis ça représentera la page d'accueil, remplace-le par un composant, et ça représente la page à propos, remplace-le par un composant, et ça affichera le détail d'un élément, d'une liste ou de quelque chose. On avait besoin de cette notion de composant pour pouvoir, à un endroit donné, remplacer un bout de code par un composant. Okay. Quelles sont les choses à utiliser? Donc, on installe c'est un plugin pour Vue qui s'appelle Vue Router. Et puis après, on a accès à un certain nombre de choses supplémentaires. Donc, on doit créer une configuration de ce routeur qui dit quel chemin dans la barre d'adresse correspond à quel composant. Et puis, quel nom on va donner à cette route. Et puis après, on peut faire des liens grâce à cette configuration qu'on aura fait dans le routeur. Un autre endroit dans notre app principale, il faudra mettre le composant spécial Router View qui va se faire remplacer par le composant qu'on a mentionné dans la configuration de la route. Notre page Home ou notre page About va aller à cet endroit-là. On peut mettre, en plus d'avoir des adresses normales, on peut mettre des paramètres, des variables dans notre adresse. Comme ça, on peut recevoir un paramètre dans la barre d'adresse. En paramètre, on ne peut que passer des chaînes de caractères. Hein, donc, ça ne sert à rien de vouloir passer trop de données, mais on va passer, par exemple, un identifiant d'utilisateur et dire affiche-moi l'utilisateur qui correspond, les infos de l'utilisateur qui correspondent à l'ID qu'on a passé en paramètre de la barre de navigation. Et pour accéder à ces variables dans notre code, on a une variable spéciale de la route qui existe, point params, point, et puis le nom du paramètre qu'on aura défini dans le path. Donc il fait du matching un peu spécial. Il va prendre, OK, si je délègue slash user, tout ce qui vient après, je le stocke dans la variable ID. À l'intérieur du code, après, pour faire des liens, hein, à la place d'écrire A, href, et puis savoir comment calculer le chemin absolu relatif en fonction de la page, on va laisser le routeur générer le lien pour nous. On prend un routeur link, on lui bind le tout à un objet de JavaScript de configuration qui dit la route que je veux, pour laquelle je veux faire un lien, c'est la route du name que j'ai configuré. Les paramètres que je dois lui donner, ben pour ID, par exemple, c'est l'ID 1, 2, 3 pour user ID. Donc ça, c'est un petit faute dans mon slide. Pour que ça corresponde, ici, ça serait ID. La même chose ici. Hein. Ou bien on nomme le truc user ID ici et user ID ici, ou bien c'est ID partout. Comme ça fait plus de sens. On peut faire donc ça, c'est une navigation générée par le HTML par l'utilisateur. Il clique sur le lien et puis ça va l'amener à l'autre page. Et puis tandis qu'on peut aussi, depuis du code, tout un coup dire je veux rediriger, parce qu'après une certaine action, je veux rediriger la page vers une autre page. Je peux faire $router.push et puis de nouveau spécifier la même configuration. Là, on est dans le monde template de vue, c'est pour ça qu'il n'y a pas de 10 devant le dollar route ou dollar routeur, tandis que là on est dans le monde JavaScript de vue, donc on a le 10 pour accéder à cet objet qui existe sur l'instance vue. Oups. Et puis, donc ça nous permet en fait finalement après d'avoir une page construite à partir des composants. Si on réfléchit un tout petit peu, ça c'est à l'époque. De vos collègues qui avaient fait ça pour le rendu de leur projet, ils avaient expliqué le fonctionnement de leur app. Qu'est-ce qui se passe si on réfléchit depuis le tout début? On va sur notre site web, on va entrer dans le fichier index.html. Là, il y aura le fichier main.js qui va se charger. Main.js va trouver la balise qui est dans le mounted. Qui contient le hash vers l'ID app, va instancier le component app principal et l'insérer à la place ou à l'intérieur de ce div ID. Et puis, ce
ce app, il a le router view, donc en fonction de l'URL calculée, va aller inclure soit le composant série ou le composant détail de série ou le composant recherche en fonction des URL qu'il aura identifiées. Et puis après, on a un autre composant, là, menu, qui lui est toujours inséré au-dessus du tout. On va juste rajouter une page dans notre élément pour voir comment ça se comporte dans notre site actuel. On avait installé avec le routeur, il me semble. Donc, on doit sous source avoir un dossier routeur qui va contenir donc la configuration du routeur, la création du routeur, la définition des routes. Et on a notre slash home avec le component home. Et puis on a un slash about avec un component about. Maintenant, nous, on a mis tout notre code directement dans app. Et c'est ce qu'on veut peut-être changer. Donc, on a notre code home là et notre code about. Ils ont mis ça dans un dossier view, mais ça reste des composants standards. C'est juste par convention, les composants qui vont être chargés à travers le routeur, on va les appeler des vues. Et les composants qui sont inclus dans des pages et des sous-pages, c'est des composants. Mais la structure est la même. C'est juste par définition, un component, c'est quelque chose qui est réutilisable à travers plusieurs pages. Un component qui joue le rôle de vue ne va pas être inclus dans une autre page, il ne peut qu'être inclus par le routeur. Sinon, ça ne fait pas beaucoup de sens. On pourrait, on va prendre tout ce qu'on a dans app et mettre dans home. Et puis, ce qu'on a. Et puis après, dans app, on va simplifier le code au minimum. Pour dire, moi, ce que je veux, c'est quoi un menu. Et puis après, le router view en dessous. On peut enlever tout ce qu'on n'a plus besoin. Mon app, ça doit juste être un script. Éventuellement, il y a du data. Non, il n'y a même pas de data. Il y a du compute non plus. On peut tout supprimer. Le CSS. N'a peut-être pas besoin non plus. Voilà. Donc le routeur nous dit si c'est slash, alors on va chercher le fichier HomeView et on l'affiche dans RouterView. Donc en principe, on va voir, mon site devrait s'afficher ou pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a qu'on déplace dans un sous-dossier, vu qu'on avait des chemins relatifs, on a cassé quelques chemins. Donc de nouveau, on va peut-être les mettre en absolu. Et c'est bon. Donc moi, j'ai tout ce que j'avais avant dans app, c'est dans mon home. Ça continue à fonctionner, hein, on n'a rien cassé. Et puis par contre, j'ai mon menu qui s'affiche. Donc nouveau, on pourrait, vu qu'on fait du bootstrap, on pourrait dire on veut une navbar. Voilà, on copie l'exemple standard d'une navbar à la place de mon menu. Et puis comme ça, j'ai ma navbar. Voilà. Vu labo. Et puis on veut peut-être faire quelques liens. Donc on met home, on veut et on veut about. Donc là, bah, faut retrouver dans vue où sont les trucs. Home.
Il est là le lien. Là, on va mettre about. On n'a pas besoin des deux autres liens. Et à la place de faire un lien avec A, je transforme ça en balise router link. Et le href, bah ça c'est pas un href, c'est un tout. Et je lui donne le nom. Je peux lui donner la config nom comme je vous ai montré dans la doc. Ou on peut aussi lui passer juste une chaîne de caractères. Donc on va faire la même chose avec about, router link, about. Et puis là, dans notre configuration du routeur, c'est slash about. Et puis on a cassé, qu'est-ce qu'on a cassé? Link. Yeah, oui, tout, merci. Et voilà. Donc, maintenant j'ai home et j'ai about, et puis ça fonctionne. Et donc il va pas contacter le serveur, il gère ça en local. Maintenant, on a un problème, c'est que il y a un mode moderne où l'URL ici, on n'arrive pas à distinguer si c'est une URL locale ou si c'est une URL sur serveur. Et pour ça, pour que ça fonctionne, il faut que le serveur web sache faire la différence ou sache, il faut le configurer, lire. Ah ben, même si c'est une URL qui ressemble à un dossier, un fichier, il faut pas que tu essayes d'aller trouver ce fichier et puis faire un 404 quand le fichier ne trouve pas. Il faut que tu rediriges sur le fichier index.html avec n'importe quel chemin que tu reçois. C'est pas le comportement standard des serveurs web. Donc ce mode d'affichage qui fait des jolies URL où on n'arrive pas à voir la différence, est-ce que c'est une application client JavaScript ou est-ce que c'est des fichiers générés serveur, il faut une petite config sur le serveur. C'est quelque chose que GitHub ne met pas en place. Donc il faut qu'on change de mode de gestion du routeur, qui est le mode classique avant qu'ils aient mis ces composants en plus. Et donc ici, c'est create web hash history à la place de web history. Et ce que ça va faire, c'est que dans l'adresse maintenant, si on regarde, il y a un petit dièse. Et le dièse, c'était pour la partie pour, si on se rappelle, pour scroller dans la page. On mettait l'identifiant, et puis ça allait scroller la page vers l'identifiant dans la page. En fait, ils ont un peu, c'est comme ça qu'ils ont créé ces trucs initialement. Ils ont fait un abus. Ils savent que le serveur, il ignore ce qui vient après le dièse. Il reçoit même pas l'info, le serveur, en fait. Et puis, du côté client, on peut prendre ça, puis à la place de scroller dans la page, on peut interpréter ce bout de code en JavaScript, et puis, en fonction du résultat de ça, générer nos pages. Et comme ça marche même sur des serveurs web qui ne sont pas compatibles avec le nouveau mode, ça marche. Donc on va activer ce mode-là. Donc on voit vraiment, c'est le routeur de vue qui gère ça. On ne va pas faire de communication avec le. Il n'y a aucune communication avec le serveur. Quand on charge de page, il n'y a rien qui se charge. On a déjà tout notre code dans le fichier JavaScript qu'on a chargé et ça reconstruit les pages en fonction des composants. Donc on n'a pas eu de requête ici sur le serveur. Et si on se met en mode vue, on voit que notre structure de l'appli. Ben, c'est un router view qui va sur slash, et puis si je veux changer de page, on voit que le router view maintenant il charge about. Donc il nous dit quel composant il a chargé, et puis on voit à l'intérieur il y a le nom du composant qu'on a chargé, soit home view, soit about view, et dans notre home view on retrouve notre structure avec app add, avec les transition group, les app donation, et ainsi de suite. On voit aussi maintenant qu'on utilise le routeur, qu'on a ces attributs de routage qui sont définis, que si je suis sur un lien about, j'ai accès à la variable routing, là, slash route contient un certain nombre d'options, avec params qui est vide parce qu'il n'y a pas de paramètres, et puis d'autres informations sur le nom de la route.
Donc pourquoi utiliser la place d'utiliser la slash de mettre l'URL directement, pourquoi utiliser la configuration là avec le vbind, le nom de la route? Le fait est que bah, on peut avoir plein de liens pour sur une page à travers tout notre site, et tout à coup on décide, ah bah non, moi ça j'aimerais que ça s'appelle à propos. Si je fais ça, bah partout où j'ai utilisé ça comme chemin, je dois aller changer dans tout mon code. Pour que le pass corresponde. Mais si j'avais utilisé le nom de la route, bah j'aurais rien à changer. Là, je devrais aller changer à propos, parce que sinon ça ne marche pas. Mais si j'avais mis name about, c'est comme ça qu'on a nommé la route, bah j'ai rien à changer. Lui, il sait que ça, c'est à propos. Donc l'avantage de faire les liens par nom de route, c'est qu'on peut après facilement renommer les routes là. Si on met juste en mode texte les routes, on doit les renommer à travers le site. Donc là, maintenant, j'ai ma page about qui... oups, pas bindé. Ça bind. Sinon, il l'a écrit tel quel en chaîne de caractères, ça ne va pas aller. Si ça bind, voilà, maintenant il sait que... L'objet avec name about, ça doit donner le slash à propos. Venons-en aux paramètres. Donc, je peux lui passer un paramètre slash ID. Et puis, décider dans la page about de l'afficher cet ID. Donc, $route. La route.params.id. Et puis, dans le lien, il faut dire, voilà, tu vas sur About avec ID, avec params de ID est égal à 3. Et si maintenant je fais mon lien, hop, on voit dans la barre d'adresse, ici j'ai le 3, il s'affiche dans la page, je peux mettre Hello, et il y aura Hello qui s'affiche. Une chaîne de caractères qu'on récupère, là on avait mis le 2 points, nom de la variable, dans notre configuration du pass du routeur. Donc c'est ça qui va nous permettre, en fonction d'une certaine URL, d'afficher... un composant différent, et à l'intérieur de ce composant, dans la partie script, je peux donc soit au moment où je construis mon data, soit je peux aussi faire donc dans le mounted. Il y en a aussi d'autres, mais je pense pour nous, pour le projet mounted, ça devrait suffire. Faire quelque chose avec ce 10 de la route params ID. Comme par exemple aller chercher une information. Ou bien, ouais, non, faisons pas forcément avec le mal. Faisons avec le watch. Faisons le comme il faut, comme ça vous l'avez pour le projet. ID. Affiche l'ID et puis je dis que alors watch c'est quoi watches watch donc ça c'est un autre mot-clé spécial où je peux lui donner un certain paramètre donc, je lui dis né moi ce que j'aimerais c'est que tu observes params ID. Et puis, comme deuxième paramètre, on met une fonction qui va se faire appeler quand ce paramètre change. Donc à ce moment-là, this ID égale this root param. Pourquoi ça marche pas? Deux points. Est-ce qu'il n'est pas content? Should not use an arrow function to watcher. Ils ont une méthode.
Donc on met entre guillemets, parce que le nom de la fonction est un mot un peu spécial, hein, c'est possible dans le monde JavaScript, le nom de la fonction, du moment que c'est un string valide, c'est possible, c'est juste qu'il faut le mettre entre guillemets pour le définir. Donc j'ai une fonction, un attribut, ouais, c'est un attribut qui contient une fonction. Donc si on veut une méthode, watch, qui va ex être exécutée à chaque fois que cette valeur-là, dans le monde vu, change. Donc à chaque fois que root params ID change, alors je mets à jour ma variable local ID avec la nouvelle valeur de params. Et comme ça va me permettre de changer comme avant, en quelque sorte, parce que je l'affichais en direct. Mais étant donné que là, je passe par une fonction, ici, je peux faire tout le code que je veux, comme aller chercher dans une API quelque chose lié à l'ID. Avant, si je me fais directement là, je peux pas forcément, mais là, je détecte que ça a changé, je fais une action qui va chercher l'information et puis je l'affiche. Donc, du moment que ça l'URL change, ou bien que parce que j'ai cliqué sur un routeur push pour changer l'URL, j'ai cliqué sur un lien, ça va changer la valeur.